Maître. Oui. En fait, je suis désolé là, je sais pas. Je suis sorti de la maison, j'ai changé de pantalon sans vérifier quoi. Je suis pas venu avec l'argent. Je sais pas comment on va faire. Si vous avez un compte, vous pouvez me donner votre numéro, je vous fais un dépôt. Il faut me payer mon argent, je vais quitter ici, pardon. Vous pouvez alors m'attendre, je vais faire un retrait. Ah mon frère, faut pas me fatiguer, il faut me donner l'argent, je vais quitter ici. Hé, hey, maître, réclame ton argent, on va partir. C'est comme ça, ils sont. Tu vas les revoir bien habillés, tu vas dire que c'est des vrais arnaqueurs de Conakry. Madame, ne fais pas comme ça. Est-ce que je me suis adressé à toi? Je t'ai parlé? C'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. Il faut me payer mon argent, je vais quitter ici. Cela ne peut arriver qu'à nous. Chauffeur, il doit te donner combien? C'est 10 000 francs. Ok, je vais payer à sa place. Ok. Mon frère, tu peux partir. Merci mon frère. Hein. De rien. Merci, c'est gentil. Femme vient vers moi comme ça. Bonsoir. Femme, ça va? Ça va. Toi, viens, c'est quoi ici? Je viens voir ta patron. Ma patron? Mmh. Patron, madame? Mmh. Toi, avec quoi? Bon, je veux du boulot. Quoi? Je suis venu chercher du travail. Si tu comprends pas, du boulot. Ah, travail? Mmh. Ah, y en a beaucoup. Moi, je travaille ici longtemps. Ah, Yana. Ah bon? Oui. Ok, je peux voir madame alors? Madame? Ah, attends, je vais appeler madame. Patron, madame, non? Mm-hmm. Ah, attends. Patron, madame? Oui. Une femme est dehors, venez chercher ce travail. Ah bon? Oui. Dis-lui de rentrer. Je suis occupée. Patron, madame, c'est occupé. C'est dit, c'est rentré. Ok, merci. Ah. Et toi, jolie femme, c'est ce travail ici. Toi, quand tu travailles ici, moi aussi travaille. Congo. Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Viens, ta soeur. Merci. Comment ça va, madame? Ça va, Dieu, merci. Okay. Je vous écoute. En fait, j'ai entendu parler que vous avez besoin d'une bombe. Oui. Donc je suis venue savoir si toutefois vous êtes intéressée par mon travail. Je suis intéressée parce que actuellement je suis trop occupée au boulot. J'ai dû même abandonner ça pour être là avec les travaux ménagers. Donc c'est pas facile pour moi. Mais je vais en parler avec mon mari. Je vais même l'appeler d'ailleurs. D'accord. Okay. Chérie, s'il te plaît, tu peux venir? C'est quel nom? Moi, c'est Sam. Sam. Okay. D'accord. Et vous? Ah, c'est madame qui va. Chérie. En fait, c'est elle qui veut du boulot. Qu'en penses-tu? C'est une bonne idée quand même. Tu avais besoin d'une bonne, non? Oh, oui, oui. Et justement, elle est là pour ça. Ok. Je voulais t'en parler comme tu es déjà là. Ok, pas de souci. C'est mon mari. Je vois les retomber. Ah, ok. C'est votre mari. Oui. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est pas grave. Hé, hey, mets-toi en l'aise. Hein. Tu es venu pour le boulot, non? Non, c'est pas grave. Mets-toi en l'aise. Tu sais, on ne paye pas le mal par le mal. Hein. Il faut toujours faire du bien aux gens, c'est important. Chérie, bon, après je vais t'expliquer quoi, c'est une longue histoire, d'accord? Ah. Non, tu es maintenue, ne t'inquiète pas. Après je t'explique. Il n'y a pas de problème alors. Bon, je suis dans la chambre. Ok. Ah, c'est compliqué. C'est ce que j'ai entendu. Comme mon mari confirme, donc tu peux commencer à partir de 9h. Ok, merci madame. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love.